Jacques Brel, dat is iemand die al heel mijn leven meegaat. En heeft mij altijd gebiologeerd, gepassioneerd, omdat de manier waarop hij zijn pareltjes brengt, dat is echt een theatrale aanpak. Je m'appelle Jacques Brel. On va plutôt essayer de retrouver l'univers de Jacques Brel. Donc par les images, par des extraits d'interviews et surtout par ses chansons dans des orchestrations symphoniques. Zijn chansons dat we gaan brengen met de originele instrumenten, gebracht door Philip Jordens, die echt een hele goede imitator is. Marieke, Marieke, sur ta 20 ans. Il y a d'abord la musique de Jacques Brel, bien évidemment, avec ses textes. Il y a le poète, l'auteur Jacques Brel, et puis il y a aussi le musicien, le compositeur Jacques Brel, qu'on va essayer de célébrer, de fêter, quoi. Jacques Brel, het is de meester van het storytelling, de meester van het kort verhaaltjes. Verhaaltjes van 2-3 minuten, de geloofwaardigheid waarmee dat hij naar zijn publiek overbrengt, dat is gewoon geniaal. La production n'est pas vraiment biographique ou biopique, dans le sens qu'on va pas chercher un itinéraire linéaire, quoi. Donc dans ce sens-là, ça sera plutôt un collage, si on veut, mais qui retrace très fort la vie de Brel et ses idées, ses réflexions sur les grands thèmes de la vie, quoi. We gaan dat spektakel ook inkleuren, ondersteunen met heel wat animatie en videocontent. Het is niet alleen Philip Jordens met zijn band en een orkest, maar ook een hele laag van beelden en visuals die we gaan integreren. We gaan ook een aantal interviewfragmenten van hem verwerken in het spektakel. Dus het gaat een mengeling worden. Les aficionados, comme on dit, de Brel seront servis, mais ceux qui sont à la découverte du répertoire de Jacques Brel aussi vont sans doute encore découvrir. On veut exprimer cet univers de Jacques Brel qui va beaucoup plus loin que la musique, qui nous parle aussi d'une manière d'exister, de certains trucs qui vivent dans la société, quoi. Dans ce sens-là, ça sera aussi un spectacle assez actuel, je pense. Ne me quitte pas.